À partir d'aujourd'hui, Bunny est un membre officiel de notre équipe. Attendez, c'est une blague ou quoi? Elle va faire partie de l'équipe? Hey, Hayden, calme-toi. Vous êtes président de société, pas footballeur. Comment pouvez-vous prendre des décisions pareilles sans consulter personne? Vous n'êtes qu'un amateur, vous n'y connaissez rien. Ces derniers temps, j'ai encaissé les tirs des meilleurs buteurs du pays. Et je dois être un gardien de but à la hauteur. Sinon, ce n'est pas la peine d'entrer sur le terrain. Raymond a encore égalisé. Les collèges Raymond et Alpin nous ont offert un match exceptionnel jusqu'ici. Ils ont dégarni leur défense pour foncer à l'attaque. Leur jeu est devenu beaucoup plus agressif. Bunny Cottontail semble vraiment ravie d'être là. Cette charmante jeune fille n'est autre que la fille du président de la société Rabbit Foot, le sponsor du collège Alpin. Je suis complètement surexcitée. Je vais faire un super match. Je sens que ça va être génial. Et voilà, la petite princesse va faire sa grande entrée. Le match va être encore plus intense maintenant. Ça va être dur pour les deux équipes. Quand je l'ai vue à l'œuvre pendant l'entraînement, j'avoue que j'ai eu un choc. Ah. Oh. Oh. Hey, reviens. Mais qu'est-ce qu'elle trafique? Ma chère petite vient de taper dans un ballon pour la première fois de sa vie. Hein? Ça suffit comme ça. Rentre chez toi et reviens quand tu te seras amélioré. Mais c'est déjà fait, je peux vous montrer? Ouais. Hein? Mais comment est-ce possible? La passe! La passe! La passe! La passe! Bien, si notre princesse nous l'ordonne. Elle est déjà en plein dans l'action. Ah! Oh! Oh non! Oh, je crois que j'ai fait une grosse bêtise! Qu'est-ce qu'elle lui prend? Elle a le truc? Elle n'a pas l'air d'être très douée, leur nouvelle recrue. Tant mieux. Ouf, je crois que je suis arrivée juste à temps. Comment elle a fait pour lui prendre le ballon? Cette fille est d'une rapidité incroyable. Hé, hey, par ici! Faites attention, défendez les buts! Maintenant, à moi de tirer. Et voilà! C'est pas vrai, j'ai encore fait n'importe quoi. Si tu m'avais fait la passe, j'aurais marqué. Oh, décidément, le football est un sport bien plus difficile que je l'imaginais. Elle est rapide, mais elle ne sait pas jouer. Je crois que ça va devenir très intéressant. Je suis très heureuse de te rencontrer. Ah, tu peux m'appeler Princesse, ça me convient parfaitement. Ah, d'accord. Mais tu peux aussi m'appeler Princesse Bunny. Comme tu veux. On n'est pas au bout de nos surprises. Un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Mais le destin ne t'attend pas, le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras. Ça ira. Si tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'erreur. N'aie pas peur d'y arriver, n'aie peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a confiance en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grands. Que vous y arriverez si vous visez le sommet. Et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vise le sommet. Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Cours, oui, vas-y, cours. Opération Princesse des Neiges. Mais voilà! Elle va trop vite! Une joueuse tellement rapide qu'elle se fait des passes à elle-même. Voilà du jamais vu ou je ne m'y connais pas. C'est ridicule, on est tous en train de courir derrière elle. Quelle joueuse, je me demande où Alpin l'a dénichée. Bunny Cottontail, je cherche. Oh, la voilà. Elle a battu le record du monde du 100 mètres.
C'est une athlète exceptionnelle. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mise au football? S'agit-il d'un simple caprice de princesse? Ou avait-elle une autre raison que tout le monde ignore encore? Impossible de le savoir, mais une chose est sûre, elle est très heureuse d'être là et elle aime sincèrement le football. Oh, c'est tellement plus amusant de jouer avec d'autres gens que de courir toute seule. J'ai été très heureuse de battre le record du monde après tout ce travail. Mais je commençais à en avoir assez d'être seule. Je voulais faire partie d'une équipe. Et puis un jour, j'ai vu ces joueurs de football qui avaient l'air tellement passionnés par ce sport. Bravo, excellent passe. Et j'ai eu envie de me joindre à eux. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé qu'à une chose, rejoindre une équipe de football. Je manque peut-être d'entraînement, mais je suis de loin la plus rapide. Attention, deuxième essai. Course du lièvre. Trop tard. But. Un superbe but marqué par Bunny Cottontail qui livre son premier match. J'ai marqué mon premier but. Et hop. Il est incroyable. Je dois encore m'améliorer. Le collège alpin peut être fier de sa nouvelle princesse, rapide comme le vent. Et notre princesse Alou, comment va-t-elle faire face à cette situation inattendue? Comment ça, notre princesse? Oh, c'est de Sandra que vous parlez. Deux princesses sur un terrain. Cela pourrait presque être le titre d'un conte de fées moderne, n'est-ce pas? Je vous signale qu'on est en train de perdre. Vous pourriez être un peu sérieux. Oh, je vois que nous avons aussi une impératrice. Oh, ça craint, on ne la rattrapera plus. Et hop, je repars à l'attaque comme une flèche. Oh. Hé, hey, la débutante, n'en fais pas trop quand même. Tout se passe comme prévu? Ouais. Aiden est un excellent joueur. Mais il n'a confiance qu'en toi. Et il joue bien trop perso. Jusqu'à présent, ses qualités ont suffi à nous assurer la victoire. Mais pour jouer au niveau national, Aiden doit absolument apprendre à aider les autres joueurs. C'est ça que tu veux dire? Absolument. En fait, ce qui nous manquait, c'était une joueuse comme Bunny Cottontail. Tellement douée qu'elle pourrait même éclipser Aiden. Hé, hey, Sean! On va laisser cette fille se mettre entre nous. C'est notre princesse. N'oublie pas, il faut lui faire plaisir. Oh. Hey, attends un peu. Tu t'imagines sérieusement faire un truc pareil? Allez, Aiden, essaye. Laisse-lui une chance. Super, continuez. Allez, allons-y. Incroyable, ils sont parfaitement coordonnés. On dirait que chacun d'entre eux sait exactement où il doit aller et ce qu'il doit faire. Cette fois, je l'arrête quoi qu'il arrive. Et c'est parti! À nous de jouer, Sean! Ok. Ce sera notre technique spéciale. Triple pizza! Elle est marrante quand même. Du moment qu'on ne doit pas sauter comme elle. Deux buts d'avance. C'est le moment de faire le point. D'accord. Oh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je laisse carrément tomber mon équipe. Inazuma Eleven. Vous en pensez quoi? Notre travail d'équipe n'est pas trop mauvais, hein? Leurs mouvements sont super coordonnés. C'est un parfait travail d'équipe. Qui aurait pu imaginer qu'ils iraient si loin dans la coordination? On dirait que tu les admires.
Je me demande si Raymond arrivera à trouver une parade. S'il continue comme ça, on ne pourra jamais reprendre l'avantage. En effet, l'équipe du Collège Alpin est merveilleusement coordonnée. Elle m'évoque un orchestre symphonique dirigé par un chef particulièrement doué. Comment ça, vous voulez dire que quelqu'un dirige toute l'équipe sans en avoir l'air? Mais qui? Qui? Un joueur? Eh bien, il s'agit peut-être d'un joueur, mais peut-être aussi que le chef d'orchestre n'est pas sur le terrain. Benny! 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 Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, Nino? Un problème? Benny! 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 Mais oui, bien sûr, j'ai trouvé! Le truc d'Alpin pour travailler en équipe! C'est vrai? Et c'est quoi, selon toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez les spectateurs! Oh. Ceux qui portent des oreilles de lapin lui indiquent où elle doit aller! Je comprends. Elle a des complices un peu partout dans le public. Comme ça, elle peut voir leurs signaux quel que soit l'endroit où elle se trouve sur le terrain. Oh! Mais alors qui fournit aux supporters les indications qu'il lui donne? C'est lui, là-bas! Oui, je le vois qui fait des signes! Dommage, même si on a compris le truc, on est incapable de déchiffrer leurs signaux. Tu oublies que le décryptage, c'est la spécialité des ninjas! Talent ninja, clairvoyance! Quoi? C'est sérieux, t'as vraiment des talents de ninja? Je croyais que ta cagoule, c'était juste pour te faire un super look! J'ai passé le premier niveau de capacité ninja par correspondance. Et j'ai lu énormément de livres sur les ninjas. Quoi? Nin, 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 nin! Seigneur dans le château! Oh. Et tu crois que ça suffira? En fait, t'es un apprenti ninja, c'est tout! Nin, 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 nin! Benny, Benny, Benny. Attention, ils vont nous déborder sur la gauche! Compris! Ok! Bien! Il avait raison! Bien joué! T'es un super ninja! Heureusement que tu étais là! Je vous signale que les ninjas sont pas les seuls à savoir décrypter! Tu vas voir! Raymond contre-attaque! Et ce sont les princes qui passent à l'action! Shaun Frost, le héros venu du froid, et Valentine Hester, le summum du cool, sont au coude à coude! J'y vais! Trait de glace! Wow, tu te débrouilles bien. Frappe, Albatros! But! Wright a marqué. Raymond n'a plus qu'un seul point de retard. Benny, Benny, Benny. Sur la droite cette fois. Je crois qu'ils ont compris le truc. On va devoir passer à autre chose. Quel truc, Shaun? De quoi tu parles? Quoi? T'es sérieuse? Tu n'étais pas au courant? Opération Oreille de Lapin. Oh, papa, c'est pas vrai? Maintenant que je maîtrise la capacité ninja clairvoyance, je vais peut-être réussir cette technique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Raymond a rattrapé son retard grâce à un superbe but marqué par... Ninja Nino Nango, le super ninja du terrain pour vous servir! Bravo, Nango, t'es trop le meilleur! Je commence à croire que Nango sera peut-être un vrai ninja un jour. Oui, moi aussi. Alors, papa, je peux savoir ce que ça veut dire? Comment as-tu pu te servir de moi de cette façon sans même envisager de m'en parler? Mais ma chérie, je voulais simplement que tu puisses jouer tranquillement sans être gênée par les autres. C'est honteux! C'est une forme de tricherie et je suis un membre de l'équipe comme les autres! Là, tu exagères un peu quand même. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire partie de l'équipe? Alors qu'est-ce que tu attends pour nous montrer ton vrai potentiel? Il ne reste plus qu'une seule minute et c'est peut-être notre dernière chance. Princesse, nous devons essayer d'exécuter un triple blizzard pour marquer. Mais comment faire, maintenant qu'ils connaissent les signaux? Il va falloir qu'on joue comme on l'a toujours fait, tout simplement. Ne nous sous-estime surtout pas. On peut coordonner nos mouvements, pas besoin de signaux pour ça. Vous avez raison. Vous savez quoi? Nous allons jouer tous ensemble et marquer le but de la victoire!
Allons-y. Okay. Bien joué, Aiden. Si tu continues comme ça, c'est l'équipe tout entière qui va évoluer. Alors, Nango, qu'est-ce qu'ils comptent faire? J'en sais rien. Ils ont arrêté les signaux. Quoi? Alors ça veut dire qu'on peut plus prévoir leurs mouvements comme tout à l'heure? Allez, c'est parti! Triple Blizzard! Je n'y arriverai pas avec trompe d'arrêt. Il faut que j'utilise cette nouvelle super technique que j'ai travaillée. C'est maintenant ou jamais. Jamais je n'abandonnerai. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Inutile d'essayer. Tu vas être avalé par notre blizzard. Oh, il a dit avalé. Tu te fais avaler par les vagues parce que tu luttes contre elles, Sandra. Essaie de ne pas les combattre. Elles doivent devenir tes amies, au contraire. Je dois devenir l'amie des vagues? Vague puissante, prêtez-moi votre pouvoir. Je ne la maîtrise pas encore très bien, mais je dois absolument l'essayer maintenant. Fisher, attention! On compte sur toi. Vas-y, Fisher! C'est pas le moment de pleurnicher! Tu as raison, il nous reste une chance! Apprends que c'est toujours le meilleur buteur qui tire en dernier! Et le meilleur buteur, c'est moi! Tu rigoles ou quoi? Oh, je suis sûre que je peux marquer comme une championne! Non, pas de question! Oh. Ils ne vont pas commencer! Avec une rivale de cette taille, il va forcément s'améliorer! C'est juste ce qu'il lui fallait! Vas-y, Aiden, tire au but! Il va tirer! Les amis, on fait le maximum jusqu'au bout, ok? Bravo, Sonny Wright. Ours enragé! Vas-y, c'est maintenant, on doit y arriver, Hardy! Ok. C'est pas vrai! Et c'est la fin de la partie! Qui s'achève sur un but spectaculaire marqué par Wright et Hardy. Raymond est qualifié pour le troisième tour! Bravo, excellent travail d'équipe. Je suis triste d'avoir perdu, mais en tant qu'ancien de Raymond, je suis aussi très fier de vous. Merci, on a fait un super match. Sonny Wright, tu es exactement comme Sharp me l'avait décrit. Tu as fait un beau travail d'équipe avec Cottontail. Si vous continuez comme ça, tous les deux, vous allez encore vous améliorer, c'est sûr. Tant mieux. Toutes les occasions de devenir meilleur sont bonnes à prendre. On dirait qu'Aiden s'adoucit. Le charme de notre princesse ne le laisse pas indifférent. Coach, je suis désolé de vous avoir traité d'amateur. Vous n'en êtes pas un. Vous avez surveillé et analysé les mouvements de tous les joueurs présents sur le terrain, en prédisant leurs attaques et en indiquant à la princesse où elle devait aller. On ne peut pas faire de telles choses sans connaître le football et ses tactiques sur le bout des doigts. J'ai hâte de jouer à nouveau avec vous, monsieur. C'est comme l'impression que bien des victoires nous attendent. Félicitations, ton dernier arrêt était spectaculaire. Le tir de ton coéquipier était incroyable et j'ai agi en désespoir de cause. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer une autre fille sur le terrain. Je manque encore beaucoup d'entraînement, mais l'année prochaine, je gagnerai, c'est sûr. Et en parlant de filles sur le terrain, toi aussi, t'as été génial. Deux filles dans une équipe, c'est formidable. Je suis un garçon. Sonny Wright. Oh. Je connais quelqu'un comme lui, et il faut que je te dise... Son existence a tout changé dans ma vie. Il m'a sauvé. Écoute, Ember,
Je sais que toi aussi, tu veux changer. C'est complètement idiot. Pourquoi je voudrais changer ? La puissante équipe de l'école Alia se dresse devant nous. Et l'enjeu est tout simplement le rêve de leur vie. Dans le prochain épisode d'Inazuma Eleven Ares, les rêves de l'école du soleil. Le proverbe du jour d'Inazuma Eleven. C'est toujours le meilleur buteur qui tire en dernier. C'est tout!